semble ratée, mais en fait qui n'est pas une occasion ratée. C'est une occasion et on est en train de la vivre. On est en train de vivre quelque chose. Et on se rend compte, quand on observe plus profondément, que cette occasion qu'on pensait être ratée, c'est qu'on avait une projection, la projection d'un désir qui ne se réalise pas. Et on comprend notre déception. On comprend que cette déception a été liée à une illusion mentale. Et puis on commence à rire de soi-même. Et on se dit, ah mais finalement, ce n'était pas vraiment une occasion ratée, c'était un bon moment. Mais alors si cette occasion ratée, vraiment si les souvenirs de cette perte tentent et ne te relâchent jamais, qu'est-ce qui te fait ? Alors là c'est vrai que ce que tu dis c'est très intéressant, c'est très vrai. On a souvent, quand on a de la nostalgie, quand on a des regrets ou même des remords, eh bien on a des souvenirs qui viennent. On a on voit des choses. Quand on ferme les yeux, on a des images, on a du son aussi parfois. La moindre chose peut nous rappeler à ce souvenir qui nous fait souffrir. Et quand ça nous revient, eh bien, moi ce que je fais, c'est que j'observe ces pensées qui me viennent et puis je les laisse défiler. Et petit à petit, elles se calment, petit à petit, elles prennent place en moi et elles me permettent d'être en paix. De passer au reste, à la suite, puisque la vie continue. Ok. Alors, si je te demande un pincement au regret, quand tu t'imagines artistiquement, si tu pourrais faire un tableau pour exprimer les regrets, qu'est-ce que tu ferais ? Pour exprimer le regret ? Un tableau pour exprimer le regret. C'est toujours. Alors, ça c'est intéressant. Est-ce que je représenterais l'objet du regret ou est-ce que je représenterais moi en train de regretter cet objet? Ou alors, est-ce que cet objet que je regrette et moi-même ne font qu'un? Alors, si dans le dernier cas, je me positionne, c'est-à-dire que l'objet de mon regret, par exemple, je prends un exemple très concret, un désir amoureux. Je regrette un amour qui m'est en passé entre les doigts, que j'aurais aimé vivre davantage, plus longtemps. Je ne fais qu'un avec ce désir. Je ne suis qu'un avec cet objet que j'ai perdu et que je regrette. Mon regret et moi, nous ne faisons qu'un. Et donc, on a la même image. Si je devais donc représenter le regret, je ferais un autoportrait. Je pense que je ferais un autoportrait et mon regret qui était ce désir amoureux que je n'ai pas eu, cette relation que j'ai laissé passer ou qui m'a filé entre les doigts, eh bien se transforme en moi-même, ma propre figure, mon propre portrait. Et au final, je conclue là-dessus. C'est de dire que ce portrait que j'ai dessiné ou que j'ai sculpté, eh bien, je ne le connais pas vraiment. Je suis en train d'être en quête de le connaître, de me connaître moi-même. Et tant que je ne le connais pas, je ne trouverai pas le repos, je ne trouverai pas la paix. Donc, à partir de ce moment-là, de cette prise de conscience, ce que je voyais comme regret va être en fait une expérience qui m'aura permis de me connaître davantage. Et alors je vais être reconnaissant de cette expérience, reconnaissant de ce qui m'a échappé des mains. Et cette sensation un peu mauvaise que j'avais au départ, négative, va être maintenant positive, elle va être énergisante, elle va me pousser à aller davantage vivre de nouvelles expériences et pour me découvrir moi-même. Okay. Et compléter mon portrait. Par contre, si on saisit une occasion qu'on pense être vraiment quelque chose qui va nous bouleverser la vie, est-ce que vraiment
en attrapant l'objet de nos désirs, est-ce que au final cet objet, comme tu disais, c'est révélé quelque chose qui est déjà dans nous-mêmes, qui nous appartient et qui fait partie de nos êtres? Ou si c'est vraiment quelque chose qu'on doit rechercher à l'extérieur? Si je comprends bien ta question, tu es en train de dire cet objet de notre désir, est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir le compléter, ou alors est-ce qu'on doit chercher ailleurs pour pouvoir l'obtenir? Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors moi, je vais te répondre, cash, c'est à l'intérieur, pour moi. Parce que je sais, à chaque fois que j'ai essayé d'aller attraper quelque chose à l'extérieur, aller chercher un ailleurs en me disant que c'était mieux, je me suis retrouvé dans un engagement, un escalade d'engagement qui m'a mené à encore plus de souffrance, à encore plus de distance par rapport à moi-même. Et au fil des années et à travers mes rencontres, j'ai vu qu'il y a des personnes qui vivaient très peu de choses, comme par exemple des moines, et qui avaient en fait une certaine stabilité. Des personnes qui passaient des journées à méditer par exemple, et qui dépassaient toute souffrance. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Quel est donc le secret de l'être humain, de sa complexité? Et je me suis rendu compte en moi-même, m'asseyant un instant, en me posant un peu, je me suis rendu compte à quel point je contenais moi-même à la fois les ressources qui font que je souffre et à la fois les ressources qui font que je guéris. Je suis moi-même l'auteur de mes blessures et aussi de ma guérison. Dès lors que j'ai compris ça, eh bien, je ne vis plus à la recherche de quelque chose. Je ne suis plus en train de chasser quelque chose. Je ne vais plus me dire, tiens, tu devrais te marier. Là, tu devrais gagner de l'argent. Là, il faudrait ci. Là, il faudrait ça. Je ne suis plus en train de chasser, de partir à la recherche de quelque chose, mais simplement à me concentrer dans chacune de mes expériences. Chaque chose que je vois à l'extérieur n'est plus alors un objet de désir que je vais acquérir, mais en fait une occasion de me découvrir moi-même de l'intérieur. C'est une occasion de me voir dans un autre miroir à chaque fois. Ça peut être le miroir d'une expérience professionnelle, le miroir d'une expérience relationnelle, amoureuse, ça peut être le miroir d'une expérience sportive, artistique, comme cet environnement, comme cet endroit par exemple, comme le tableau qui est juste derrière moi, avec cette profondeur dans les yeux, cette bouche pulpeuse, ces traits de visage qui rappellent une stabilité, une détermination aussi. Et ça m'inspire par exemple. Ça me permet en fait de revenir à moi-même et de me voir moi-même depuis l'intérieur et de me dire, tiens, je suis en train de me découvrir, je suis en chemin pour me découvrir, pour savoir qui je suis. Ok. Du coup, en fait, ce qu'on doit rechercher, selon toi, c'est une sorte d'équilibre et de stabilité. Mais ça ne risque pas peut-être de nous amener vers quelque chose que... des trous en fait, des trous stables et vraiment de immobiles, si tu veux. Est-ce que vraiment en cherchant seulement à nous-mêmes, on peut perdre quelque chose de l'extérieur? Et du coup ah ouais, ça c'est une question aussi que je me suis beaucoup posée, tu vois. Il y a en fait dans la vision intérieure dont je parle une sorte de point fixe, quelque chose de très stable. Comme tu dis, il peut y avoir une peur de l'immobilité. Mais en fait, à chaque fois, ce qu'il y a d'intéressant quand on est un être humain, c'est que quand on revient à soi, on découvre cette stabilité, ce point fixe. Et puis ensuite, on retourne dans le monde. C'est le mouvement, dans le mouvement, dans le mouvement, dans le mouvement. Tout prend sens, tout... Tout a une logique qui nous semble intégrée. Et on n'a pas peur en fait. On n'a pas peur d'être immobile, on n'a pas peur de ne rien avoir à faire par exemple. Un simple silence, on comprend quelque chose à l'intérieur. La brise qui arrive, qui est fraîche, eh bien c'est un plaisir. Le goût par exemple,
tout ce que l'on ressent à travers nos perceptions et nos cinq sens commence à être bien. On est entre cette réalité où y a l'unité d'une part et puis le divisé d'autre part, l'immobile d'une part, le fixe et le mouvement d'autre part. Et en fait, quand on fait bien attention, quand on regarde vraiment cette expérience, eh bien, au cœur de la tempête de notre vie, on peut découvrir la stabilité. Et au cœur de notre stabilité, c'est-à-dire on peut être assis en tailleur en train de méditer, on peut découvrir la tempête, c'est-à-dire de la colère, on peut tomber sur des choses. Donc les deux sont si liés qu'il semble qu'ils ne font qu'un. Je vois. En fait, comment tu as bâti les convictions les plus profondes que tu as, les convictions les plus profondes, les plus fondatives que tu as? Comment tu as vraiment construit ces convictions et ces idées qui tu crois être vraiment fondatrices pour toi? Alors, au départ, j'étais un addict de l'expérience et ensuite de la connaissance. Je pensais que pour être accepté en société, il fallait beaucoup savoir. Alors, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup d'expériences. Et j'étais rassuré dans le fait que j'étais intelligent et fin dans ma pensée, avec beaucoup de références à la culture générale. Mais une fois en fait que je suis revenu à moi-même, je me suis rendu compte à quel point toutes ces connaissances étaient futiles et légères. Je me suis rendu compte à quel point elles ne me permettaient pas de me découvrir à la hauteur que je voulais. Et c'est à l'instant où j'ai laissé passer, où j'ai délivré cette connaissance, j'ai commencé à dire non seulement elle ne m'appartient pas, mais en plus elle n'est qu'en fait qu'une introduction à ce que je dois encore apprendre. Eh bien, le sens que prenait chaque chose pour moi à ce moment-là a changé. Par exemple, une personne qui se met en colère contre toi, normalement tu te mets en colère ou alors tu es blessé. À un moment donné, j'ai ressenti de l'affection, j'ai ressenti de la compassion. Un policier me faisait une amende et puis mes amis qui étaient dans la voiture avec moi commençaient à insulter, à jacasser, à pester. Mais moi, je ressentais énormément de pitié en moi-même pour cette personne parce que je me disais, elle est dans le froid, elle est debout. Et depuis des heures, elle est en train de donner des amendes à des gens qui l'insultent, qui le maudissent. Et j'avais de la pitié en moi. Ma compréhension avait pris un autre tournant. Donc, mes convictions ont changé. Mes convictions changent, mes informations changent, ma connaissance change. Tout change, en fait. Je ne peux pas faire confiance à seulement des convictions. Je ne peux pas faire confiance à juste des pensées. Donc je calme mes pensées, je leur donne le niveau qui est le leur, c'est-à-dire un niveau superficiel. Et dès que j'arrive à faire ça, dès que j'arrive à me détacher de mes connaissances, je peux plonger en moi-même et c'est là que tout se produit. Mais quand même, on ne peut pas nier que ces convictions et ces idées générales on peut te guider vers la construction de quelque chose de plus intime et plus évidemment profond qui est ton intériorité, si tu veux. Alors dès lors qu'une chose est dite, dès lors qu'une chose est pensée, elle est superficielle, elle est philosophique. Elle peut certes nous permettre de nous construire jusqu'à un certain niveau pour gérer notre vie, notre quotidien, etc. Et encore jusqu'à une certaine limite. Mais il y a plus. Il y a plus que cette connaissance, il y a plus que cette philosophie, il y a plus que les mots, que le son qui est en train de sortir de ma bouche pour aller dans cette caméra. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'être humain est si complexe que le même message qui passe dans cette caméra entre tes mains peut être pris d'une bonne façon par une personne et d'une mauvaise façon par une autre. C'est-à-dire qu'il est possible d'être en silence avec quelqu'un et d'avoir un sentiment d'amour extraordinaire et d'être en lien amoureux, entrelacé avec une personne, mais de ne pas avoir cet amour. Et ça, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Ce sont des choses pour lesquelles on peut dire que les mots ne transmettent pas le sens. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, ni avec ces pensées superficielles qui te disent, ni avec les idées générales, mais ni avec une introspection profonde et même à nous-mêmes on n'arrive pas à expliquer certains phénomènes humains.
Qu'est-ce qu'on fait là? Je me suis longtemps posé cette question. Voilà. Pour te dire, je suis encore en train de me la poser. Mais j'ai peut-être une idée. Et pourquoi ne la vivrait-on pas? Vivre cet instant, sans penser si elle sera bonne ou mauvaise. Vivre cet instant sans se dire qu'en dira-t-on demain. Vivre cet instant en se disant je vis simplement. Quand la fleur est fleur, elle dit fleur. Quand le soleil est soleil, c'est soleil. C'est... Ne pense pas en disant moi je rayonne, moi je suis, moi c'est. Non, c'est soleil. Et pourquoi l'être humain ne serait-il pas comme ça? C'est plus simple. Simplement vivre. Sans penser. Sans expliquer. Sans théoriser. En paix avec soi-même. C'est pas grave. On est à 16 minutes là. Hein. Ah ouais, pas mal. Pas mal.